Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 93 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Mass Effect 3. Mass Effect 3, on va y jouer. Allez, on va voir tous ensemble ce que c'est. C'est un petit jeu d'action, enfin un grand jeu d'action plutôt. On va pas dire petit. Alors, Mass Effect 3, est-ce qu'on a une introduction? Non, alors je veux même pas me connecter. EA Origin, non. Alors s'il vous plaît, patientez. Tac, tac, tac. Continuez de charger. Alors, on va faire une nouvelle partie. Et on va se faire un homme. On va être un homme. Allez, c'est parti, ça charge. Je vous laisse la cinématique. Ah non, c'est pas encore la cinématique. Alors, action, jeu de rôle, histoire. Il y a trois modes de jeu. On va prendre l'action. Voilà, on est sûr. Voilà. Ça se présente comment ? Mal. On vient de perdre le contact avec deux avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps ? Très peu. J'ai donné l'alerte. La flotte se mobilise. Croisons les doigts. Commandant. James, vous n'êtes plus censé m'appeler comme ça. Ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson. Amiral. Vous avez les renforts, je parle. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds ? On s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon ? Si je le savais... Ce sont les moissonneurs. Et nous ne sommes pas prêts. Vraiment pas. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Nous avons lu vos rapports et analysé vos données, mais pour nous, ce n'est que de la théorie. Vous les avez combattus dans les tranchées. Vous savez de quoi ils sont capables. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson, pas un politicien. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson. Shepard. Ashley. Lieutenant-commandant, comment ça s'est passé ? Avec eux, on ne sait jamais. J'attends les ordres, là. Amiral ? Allez.
Vous vous connaissez ? On peut dire ça. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation ? Nous espérions l'apprendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement déments, on n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Helios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà ? Les moissonneurs sont là. Mais alors, comment faire pour les arrêter ? Les arrêter ? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais il doit bien y avoir une solution. Chacun d'entre nous doit être prêt à mourir pour sauver l'humanité. Sinon, ils ont déjà gagné. Et quoi ? C'est ça le plan ? Amiral, on n'a plus de contact avec Séléné. La Lune ? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses ? Amiral, le QG britannique a un visuel. Fais-donc l'amiral Hackett. Qu'est-ce qu'on fait ? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller au Normandie. Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Hop, et c'est maintenant à nous de jouer. Alors, on a une arme dans la main. Alors, vous avez vu l'introduction, on s'est fait... Et on s'est fait attaquer, donc ça s'appelle les moissonneurs. Apparemment, ce serait pour nous éradiquer. Alors là, pour l'instant, on se contente de fuir. Parce qu'on va essayer de sauver notre peau. Allez. Donc on peut courir, là, il faut sauter. Hop, espace. Alors, vous voyez les machins qui détruisent. Bon, c'est pas tellement bien fait au fond, là-bas. On voit qu'il détruit un peu rien. Il détruit un peu du décor, mais derrière, donc on sait pas trop. Là, on le voit, par contre... Alors, une échelle. Tac, 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 tac. On a juste à passer devant, ça se fait tout seul. Hop, ça c'était pour viser. La barre espace. La barre espace sert à plein de choses dans ce jeu. Normalement. Elle sert à sauter, à s'accroupir ou à sauter par-dessus. Allez, hop, si je... Vraiment. Voilà, alors on a des ennemis. Ah là, ils sont là. Alors on leur tire dessus. Allez, enfoiré.
C'est des sortes d'aliens bizarres, on sait pas trop. C'est pas trop ce que c'est. Hop, on descend. Hop, encore des aliens. Là. Alors, je peux me cacher, vous avez vu avec espace. Un peu de la peine à viser. Ah, j'ai plus de munitions comme par hasard. Ouais, alors on va attaquer. Voilà, avec F pour attaquer au corps à corps. Si je maintiens F, vous avez vu, ça fait. Normalement, c'est pas. Il y a une attaque de base. Mais là, j'utilise la grosse attaque. Voilà, on s'est fait attaquer, mais c'est pas grave. Alors, on va continuer. J'ai plus de munitions, donc c'est un peu la merde pour le moment. Donc là, il y a une porte. Oula, il y a un mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut essayer de me choper. On le tue. Là, on va essayer d'ouvrir la porte. Voilà. C'est par là. Ça va aller. Tout le monde meurt. Viens, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Je sais pas. Par ici. C'est un vrai désastre. À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. On n'est pas responsable de ceux qui meurent. On se bat pour ceux qui resteront après la guerre. Oui, vous avez peut-être raison. Ils ont frappé si vite. Ah, qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la citadelle, parler au conseil. La citadelle, c'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas, vous l'avez dit. Les moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment? Non, mais vous étiez un spectre du conseil. Ça doit bien compter, non? Ah. Merci. Je vous revaudrai ça. Et comment? Récupérez des munitions. Ah, donc là, hop, je passe sur les munitions pour les récupérer. Appuyez sur R pour recharger. Alors, on ressort à l'extérieur cette fois-ci encore. Alors là, l'autre, il est en train de détruire tout ce qu'il veut là-bas. On remarquait quand même que c'est très joli au niveau du décor. Bon, au fond, on voit bien que c'est. Ils ont pas pu tout faire non plus. On voit bien que c'est tout plat là-bas au fond. Mais tout ce qu'il y a autour de nous, quand même, l'environnement bouge beaucoup. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu d'ennemis. Ah, il y a une explosion. Ouais, donc du coup on continue à progresser. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des gens là en dessous. Allez, on saute. Ça va vous deux? Mais c'est vous. Ils vont vous voir. Et c'est dommage, ils nous ont vus. Alors là on est en position, en ne touchant rien du tout, je suis automatiquement baissé. Alors je me lève, en gros, là je me suis un peu déchiré la tronche. Alors, attendez, je vais vous expliquer, voilà. Donc ma vie, c'est censé être ce qui est... ça doit être en rouge, je crois. Alors oui, donc j'appuie sur le clic droit pour viser, et le clic gauche pour tirer. Ah, ça y est, il n'y en a plus. Voilà, on va s'occuper du mec. Que s'est-il passé? Notre navette a été abattue en plein vol.
Vous avez une radio? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais ça doit grouiller de ces saloperies. Ne bougez pas. On va vous sortir d'ici. Venez, allons voir cette navette. Allez, on continue l'exploration. On va aller voir la navette pour aller récupérer une sorte de radio. Pour essayer qu'on nous sorte de ce bordel. Parce que personne ne sait qu'on est là, évidemment. Ça, voilà. Me donner de l'XP. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, oula, il y a des ennemis là-bas. Enfoiré. Il faudrait que j'arrive à, voilà, à me coller contre le. Comme je disais, comme. Sur le bord là. De la même manière qu'on s'accroupit, tout ça. Ça se fait tout seul, mais il faut appuyer sur la touche. Alors là, on a des ennemis. Je sais pas si on a des munitions. Si, munitions. 9, 6, 3, 0. Faut que je recharge. Ouais, donc j'en ai encore 65, ça va. Alors, il y en a plus. On attend, on sait jamais, parce que des fois il y en a qui arrivent. Hop là. Allez. Ah, crève. Oh, ouais. Voilà, ça devrait être bon, il devrait plus en avoir. Non. Ah non, il y en a encore. Il vaut mieux être patient hein, sur ça, parce que si vous vous jetez dans le sac, ils vont vous massacrer, les mecs. Voilà. Il y a l'air d'avoir personne. Là, il y a un truc. Alors, bon, il n'y a plus personne. Ah, si, il y en a un là. Vite, vite, avant qu'il me tue. Alors, ma vie, ça semble plutôt être le truc bleu. Si c'est une sorte d'endurance. Ou alors, je ne sais pas. Alors, tiens, une radio, elle doit être là. Tiens, une arme aussi. Ça va changer un peu. Normandie, ici Anderson. Vous m'entendez? Amiral, où êtes-vous? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez les secours. Il y a des blessés ici. Lieutenant? Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Voilà, on a des nouveaux ennemis parce qu'on s'est fait un peu repérer en restant au milieu. Alors là, il faut peut-être que je me décale parce que je me fais déchirer la tronche. Ouais, regardez, ma vie, elle part en sucette. On va plutôt se décaler vers la gauche. Voilà. Et revenir quand il le faut. Alors là, le mieux, c'est de viser dans leur tête. Est-ce que j'ai compris? C'est mieux. Comme n'importe qui, hein. On tue plus vite quelqu'un en tirant dans sa tête. Et eux, ils ont l'air un peu résistants. Il y en a qui ils apparaissent un peu de partout, quoi. On sait pas, ils sont écrasés ou quoi, leur vaisseau est où? Il y a derrière, on dirait, mais on dirait qu'il est en... Ouais, c'est bizarre. Et ils viennent un peu en dessous, un peu au-dessus. Il n'y a plus de munitions, je change d'arme. Mage gauche. Alors. Bon, il y en a encore. Il y en a toujours. Elle pas crevée. Allez. Vas-y, crève, mais il y en a comme il y en a 50 milliards par avion. La cavalerie arrive, messieurs. Il était temps. On y va. Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat, Anderson. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez au conseil. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter? Je vous fais confiance. Allez, partez,
C'est un ordre. Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégré. Commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, amiral, avec une armée. C'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. Et donc ce sera tout pour Mass Effect 3. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.